tribunal. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le procureur, veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous, venez de là-bas. S'il vous plaît, monsieur Toussiès. Vous appelez madame Valérie Gès. Exact. Je vais vous relire l'acte d'accusation. En Martinique, il y avait en janvier 2020 77 600 jeunes. Et parmi eux, il y en a 600 des jeunes âgés de 6 à 21 ans, à qui vous apprenez à cultiver la relation éducative, la relation de l'autre, la solidarité, l'entraide, le respect de la nature. Ce sont des scouts, 600 sur près de 78 000 jeunes. Ce chiffre est dérisoire, lamentable même. Il mesure incontestablement l'affreuse inanité de votre raison d'être et justifie amplement que vous comparaissiez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Veuillez vous asseoir, madame Valérie Gès. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une Martinique blessée par le comportement des libres de couleur. Nous sommes dans une Martinique où les descendants d'esclaves, à qui, à longueur de journée, on dit que ce sont les béquets qui sont responsables de tout dans ce pays-là. Nous sommes dans une Martinique où il y a trois clans, trois castes. Et en 2023, les trois clans sont bien séparés. Nous sommes dans un pays où la vérité ne sort pas de la bouche des uns et des autres. Où chacun a mauvaise conscience de son comportement, pas son comportement d'aujourd'hui, mais le comportement de tous ses aïeux. Et on a transmis au fur et à mesure des années, on a transmis à ces jeunes la haine qu'il y avait entre ces trois castes, les béquets d'une part, les libres de couleur d'autre part. Et c'est ça qui fait que, au jour d'aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment les choses tournent dans ce pays-là et il est difficile d'avoir un raisonnement sain, un raisonnement objectif. Et vous le verrez à nouveau, monsieur le président, dans cette deuxième audience, la démagogie des uns et des autres pour ne pas dire enfin la vérité. Je vais vous prendre un exemple pour démontrer ce que je viens de dire. Les produits et les saveurs des Antilles au salon de l'agriculture. Voilà. Les produits et les saveurs des Antilles au salon de l'agriculture. Ça démontre bien. L'alimentation, c'est le pilier de la santé. Ça démontre bien ce que je vais essayer d'expliquer au tribunal. Le comportement irrationnel des uns et des autres, des hommes et des femmes dans ce pays, et plus spécialement des femmes qui devraient être à l'origine de l'éducation d'une part et à l'origine du développement économique d'autre part. Monsieur le Président, comment peut-on comprendre que dans ce pays, les uns et les autres, politiques, etc., sociaux, machin, etc., la société civile, bidon entre nous, disent aux Martiniquais depuis des années que notre agriculture est pourrie de chlordécone, que nous ne devons pas nourrir, nous ne devons pas acheter ce que nous produisons, que nous sommes tous à 92% empoisonnés. Madame n'a cancer ceci, l'homme n'a cancer de celle-là, etc. Que l'agriculture martiniquaise, nos fruits et légumes, les maraîchers martiniquais, sont
incapables de vendre leurs produits parce qu'il y a du chlordécone partout à la Martinique. Alors qu'on nous dit aujourd'hui en 2023, un salon de l'agriculture de reprise et de record. On va à Paris, dans un salon de l'agriculture à Paris, et on propose les produits martiniquais, les produits qu'on dit aux Martiniquais de ne pas manger, de ne pas acheter. Comment comprendre ce comportement irrationnel? C'est ça le véritable problème, Monsieur le Président. Et on retrouve dans cette situation, dans le procès de Madame Jess, je ne sais pas quoi, comment, elle a l'accusé. Elle s'appelle Madame Valérie Jess. Valérie. On retrouve Valérie, ça ressemble tellement à Chérie que je me trompe. Monsieur le Président. Bien. Alors, comment comprendre que le mouvement scoutisme, avec 600 jeunes, qui devraient être 3, 4, 5 000 au jour d'aujourd'hui, comment comprendre que ça n'avance pas, ça ne marche pas, que les mères de famille, quand on nous dit, Monsieur le Président, que ce sont les enfants qui décident d'aller, non, ce sont les parents, notamment la mère, qui inscrivent les enfants et qui suivent les enfants, et que ce sont ces parents-là qui deviennent, qui sont les bénévolats, les bénévoles du mouvement. Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Président, c'est ça le problème fondamental dans ce pays. Nous ne savons pas, aussi bien politiquement les associations de consommateurs, les associations ceci, etc., les démagogues d'une manière générale, Monsieur le Président, ne permet pas d'avoir un discours correct, cohérent, rationnel, pour que les uns et les autres comprennent ce qui se passe. J'en ai terminé pour le moment. Merci, Monsieur le Procureur. Accusé, venez à la barre. Madame Valérie Jess, jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Je le jure. Vous avez la parole. Je ne fais pas trop bien le lien entre le chlordécone et notre association. Ce n'est pas le chlordécone. C'est le contexte. Voilà. C'est la démagogie due. Alors, si vous faites un parallèle entre la démagogie du chlordécone et celle de dire que ce sont les parents, les mères, etc., qui... Enfin, je ne vois pas le lien qu'il y a entre ça et notre association. Je répète encore une fois qu'effectivement, que nous sommes une association qui forme les jeunes à avoir en eux-mêmes, je suis presque capable de dire ça, qui aide le jeune à être en phase avec lui-même par un certain nombre de lois, par des activités, en le laissant libre, il a le champ libre, en le laissant s'exprimer. C'est vrai qu'effectivement, la mère y est pour beaucoup, mais parce que c'est elle qui, de prime abord, inscrit le jeune. Il y a aussi un phénomène de... Vous avez quand même des papas qui viennent vous amener leurs jeunes, non? Ah oui, nous avons des papas qui viennent, okay. Heureusement. Nous avons des papas qui viennent. Et quand nous campons, disponibles, peut-être, quand on compond, par exemple, eh bien nous, on a fêté BP, je reviens dessus, il n'y a pas longtemps, eh bien et des papas sont venus aider à l'installation. Quand il faut couper du chercher du bambou, voilà. Ce sont des pères qui voilà. Parfois qui aident. Donc ils participent d'une façon ou d'une autre. Ils participent. C'est vrai qu'il ne reste pas vraiment. Il n'a pas la même implication. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Il ne s'implique pas de la même manière que la mère. Oui. Mais il est là. OK. On ne va pas jeter la pierre à tous les pères. Ce n'est pas possible. De toute façon, ni à toutes les mères. Ni à toutes les mères. Ce n'est pas possible non plus. Bien au contraire, je veux saluer. Les pères, les mères qui sont là avec nous, qui donnent une visibilité aux autres, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui veulent, il y a des gens qui veulent s'inscrire, mais qui ont peur. Peut-être que parfois, c'est vrai que le scoutisme est un mouvement ouvert à tous, mais nous sommes cantonnés, c'est vrai qu'il y a beaucoup la partie religieuse où certains ont peur. Il faut savoir aussi que c'est vrai que nous avons une relation étroite avec l'Église. Nous allons à la messe. Mais nous accueillons, ça nous est arrivé d'accueillir des musulmans. Et pourquoi cette relation étroite avec l'Église? Parce que historiquement, c'est comme ça.
Je veux dire, c'est pas la base, c'est pas le fondement du mouvement, mais parce que les jeunes que nous avions, souvent c'était les jeunes du catéchisme qui venaient nous voir, qui venaient chez nous, qui plus facilement s'engageaient au sein du scoutisme. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Nous avons des jeunes qui s'intéressent à la religion, à la foi, qui sont croyants, qui sont chrétiens. Nous avons qui ne le sont pas. La porte est ouverte à tout le monde. À tout le monde. Tout à fait. Quelle que soit l'activité ici, vous venez camper et qu'à un moment, il y a un moment de recueillement, le jeune que ça n'intéresse pas, il ne participe pas. Tout simplement. Nous ne sommes pas cloisonnés, nous ne sommes pas sectaires. La porte est ouverte à tous. C'est une liberté d'être soi. La liberté, l'éducation, quelles que soient vos convictions. OK. Tout simplement. Donc, je vais, au contraire, j'encourage, je vais faire de la promotion, de la publicité pour nous. Nous avons, pour pouvoir adhérer au sein du scoutisme, il est important que je le dise, nous avons effectivement une adhésion qui est de 30 euros. Nous avons un siège qui se situe au 38 rue Périnon, téléphone 75 13 12. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent, qui ont des petits doutes, vous pouvez téléphoner, vous pouvez passer vous renseigner, vous avez des informations. Et j'espère que ce n'est pas la première fois que nous venons ici. J'espère que ce n'est pas la dernière. Et que la prochaine fois, nous pourrons démontrer au procureur que nous ne sommes pas 600, mais bien plus. Nous aurons multiplié par au moins 3 notre effectif. Mais nous avons des gens de conviction, des gens engagés qui sont là, qui ne baissent pas les bras. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons, quand on parle des bénéfices du scoutisme, nous avons aujourd'hui à tracer un camp de formation pour les jeunes chefs et cheftaines scouts, où ils vont apprendre à encadrer, ils pourront trouver des éléments, des petites astuces pour aider les jeunes, justement, les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on n'encadre pas aujourd'hui comme on a encadré en 1928. Les choses évoluent, les choses bougent, et le scoutisme aussi évolue avec la société. Donc nous ne sommes pas ringards, bien au contraire. Les jeunes qui sont là avec nous, qui sont ultra connectés, ceux-là nous aident à avancer. Ils voient les choses différemment, ils apportent leur petite pierre à l'édifice et nous avançons tous ensemble. Merci. J'appelle à la barre Monsieur José Charlotte. Il n'est pas là. Il est là, Monsieur Charlotte. Il se cache peut-être, mais il est là, Monsieur Charlotte. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Monsieur Charles. Alors, Monsieur le Président, en lisant l'acte d'accusation, je suis fortement surpris. Alors, je suis surpris, mais surpris d'autant plus que je me dis, mais dans l'acte d'accusation, il y a inanité qui a été employé. Et je constate que si ce mot a été employé par Monsieur le procureur, puisqu'il a rédigé l'acte ou éventuellement son substitut a rédigé l'acte, c'est qu'il est certainement victime de l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, je pense, Monsieur le Président, qu'il s'est vu à travers l'acte d'accusation et il a accusé Madame, qui est une personne de bonne volonté, de bonne foi, il a accusé des pathologies dont il est lui-même victime. Alors, Monsieur le Président, je suis persuadé que si M. le procureur persiste à rédiger ce nom d'acte, il pourra, à un certain moment, bénéficier d'un prix, mais c'est en médecine. Psychiatrique. Non. Je dirais même en médecine vétérinaire, Monsieur le Président. Oui. En médecine vétérinaire, s'il continue comme ça, il aura un prix. Alors, Monsieur le Président, pourquoi je dis ça? Parce que madame qui est là, elle s'occupe d'associations, elle s'occupe de jeunes, elle réussit là où d'autres associations n'ont pas réussi. Alors, les autres associations sont en baisse d'effectifs. Et madame arrive à maintenir l'effectif et à espérer augmenter l'effectif. Alors, sur ce sens, Monsieur le Président, que je vous dis bien, que si madame arrive à augmenter l'effectif, quand bien même les choses sont difficiles, sachez à toutes fins utiles
qu'elle ne récupère pas les enfants qui ont le profil des enfants de M. le procureur et par extension certainement des enfants de M. le président, puisque ces gens d'enfants-là, monsieur, ils ne vont pas au scout, ils vont s'inscrire au golf, au tennis, ou au club d'aviation, ou au cheval, mais on ne les retrouve pas dans cette association-là. Et c'est pour cela, monsieur le président, que je vous dis de ne pas, de ne surtout pas insister à la condamner, parce que ce qu'elle fait, c'est une œuvre sociale. Parce que c'est elle qui, de par sa mission, contribue à régler les problèmes qui, pour elle, auraient pu être accessoires, mais qui deviennent fondamentales dans la mesure où beaucoup de parents sont défaillants. Et elle se retrouve, en plus de ses activités de loisirs et d'éducation, à corriger les manquements des parents défaillants, voire d'une moralité très assouplie, voire inexistante. Donc, on doit la remercier pour ça. Donc, il n'y a aucune raison, Monsieur le Président, d'accuser ces personnes-là. D'autant plus, Monsieur le Président, si Monsieur le Procureur s'entête à rédiger ce genre d'acte contre ce genre d'innocents nécessaires pour la société, il y a lieu, Monsieur le Président, de prendre des dispositions immédiates pour soigner Monsieur le Procureur. Parce que les conséquences seront d'autant plus graves. On ne pourra plus rattraper. Il y a un certain niveau, Monsieur le Président, un certain niveau de seuil bas où le malade n'est pas récupérable. Irrécupérable. Oui, il y a peine perdue. Parce que s'il continue comme ça, Monsieur le Président, comme il l'a fait dans le passé, c'est comme si qu'il persistait à prendre le code de la route à des chameaux. Monsieur le Président, ça ne peut pas réussir. Il doit reprendre le chemin du bon sens, et je vous fais confiance, Monsieur le Président, parce que Madame Gess, qui est là, qui s'occupe des jeunes, il est bien évident, dans le passé, on n'a pas vu. On n'a pas vu sur la presse, on n'a pas vu dans les journaux, on n'a pas vu à la télé. Eh bien, c'est ce genre de personnes-là qui font un travail efficace, parce que nous savons bien, Monsieur le Président, qu'une bonne partie de la vie de la société passe par la vie associative. Et voilà un exemple éminent, brillant, notoire, et je dirais même lunaire, voire ensoleillé, qui est parmi nous. Nous avons la chance d'avoir cette personne. C'est en ce sens que je vous dis, Monsieur le Président, n'insistez pas, ne suivez pas Monsieur le Procureur. Ces injonctions sont sans intérêt. Monsieur le Président, reprenez votre lucidité et je vous enjoins de... Oui, parce que, Monsieur le Président, le fait que cet acte d'accusation soit traduit à la barre et que Madame soit appelée ici, c'est déjà, en quelque part, un filtre dont vous avez raté une étape. Et je vous enjoins, Monsieur le Président, de reprendre vos esprits et de ramener Monsieur le Procureur à de justes proportions et de libérer Madame et de la laisser s'occuper de la société dans ces termes. J'entends bien, Monsieur José Charlotte, donc je ferai apparemment à mes supérieurs alors. J'appelle à la barre Madame Dormois Marie-Claire. Alors, dans le monde dans lequel on vit, où on est à deux doigts de guerre mondiale et peut-être même nucléaire, enfin je touche du bois, où je touche de la peau de singe, comme on dit. Si j'ai pas du bois, on touche de la peau de singe. Bon, enfin voilà. Dans le monde, c'est bien de pouvoir habituer les enfants à respecter des gens qu'ils ne connaissent pas et à s'entendre avec... avec des gens qui ne sont pas du même milieu, pas de la même nationalité, et voilà, et ça ne peut porter que du bien à cette terre. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir indirectement j'étais petite Jeannette à l'époque, mais après j'ai été malade et j'ai abandonné, mais j'avais un frère qui était scout et qui était parti au Canada en jamboree. C'est un rassemblement mondial de tous les scouts, et il est revenu enchanté parce qu'il ne travaillait pas bien à l'école et ça lui a fait beaucoup de bien, et il est revenu et il jouait de l'harmonica comme
comme personne, enfin comme Monsieur Nguyen en Martinique, vous connaissez Jean-Louis Nguyen. Eh ben, il est très fort en harmonica. Ben, mon frère était presque pas aussi doué, mais il m'a, et en le regardant jouer, il m'a donné quelques indices, vous voyez. Et puis je me suis mise à jouer avec lui et tout. Et c'est grâce donc à ce séjour dans le, avec les voilà. Scouts lui ont et permis donc, d'évoluer. Et comme Monsieur tout à l'heure là, il a chanté. Moi, est-ce que je peux vous jouer un petit morceau d'harmonica? Ben avec plaisir, madame. Oui, voilà, là, attends. Là. Moi, ça jouait un petit begin tout. Bien. Bon, on arrête le zoo. Voilà, ben, c'est mon frère. C'est grâce au scoutisme que j'ai appris. C'est grâce au scoutisme que j'ai appris à jouer. Et ça, ça, donc ça vous a fait du bien. Ah oui, et puis regardez, j'en ai un tout petit que je peux emmener partout. Et je l'emmène en bateau partout. J'emmène mon harmonica avec moi. Vous encouragez les parents à amener leurs enfants à pratiquer l'harmonica. Et puis même, le scoutisme, je suis allée au Mont Lacajou. Il y avait un concert à la maison des jeunes du Mont Lacajou. Je suis allée, il y avait un concert d'harmonica, et bien on était deux femmes à jouer, et bien moi j'avais été deuxième. Quoi. Merci, voilà. Merci mais en fait, madame. C'est tout, et ça ne peut porter que du bien à la société. Ah, voilà. D'accord. Et vraiment, c'est facile. Hein, et il suffit, si vous voulez, je peux venir montrer un jour comment on apprend à. Je vais voir avec la dame. Ah ben, rentrer chez les scouts. Voilà. Pourquoi vous n'entrez pas chez les scouts? Oui, voilà, je vais retourner. Hein. Mais non, terminé, oui. Non. Voilà. Merci, madame Dormoy. J'appelle à la barre madame Rétori, Sylvie. Monsieur le Président, madame. Monsieur le Procureur, j'ai l'impression depuis le début de cette audience que je suis restée coincée dans un temps. J'ai l'impression qu'on fait le procès de la femme. La femme, c'est la responsable de tous les maux de cette société. Et pourtant, enfin bref, je rappelle quand même que ce sont les hommes qui ont supprimé le service militaire. Ce sont les hommes qui encouragent chacun à être dans une société de plus en plus individuelle. Tout ce que je peux dire, en tout cas, merci à l'accusée ici présente de véhiculer encore les valeurs que nous avons perdues. Et merci d'avoir ces 600 jeunes, parce qu'aujourd'hui, on fait miroiter le rêve à nos jeunes d'être des Mbappé. On préfère payer des cotisations à 100 euros, à 200 euros l'année, pour faire en sorte que nos jeunes aillent chercher du rêve, plutôt que d'aller chercher des choses fondamentales qui construisent l'homme, c'est-à-dire les valeurs du partage, les valeurs de l'autre. Est vraiment ce qui construit un homme dans son essence même. C'est ce que je tenais à vous dire ici. C'est tout ce que vous aviez à dire. C'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal. Et concernant le travail, concernant le travail de madame. Mais madame, je l'ai dit, je la remercie fortement de faire ce travail au quotidien parce que très peu d'entre nous se donnent les moyens et se donnent du temps pour les autres parce qu'on est chacun, ah ben oui, j'envoie l'enfant mais... C'est pas grave, j'ai pas le temps d'y aller, c'est toujours l'autre. On ne peut pas faire si on ne partage pas avec ces associations-là. Et vraiment, madame, merci pour ce que vous faites. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, si vous permettez, parce que madame a du temps, elle n'a pas. Je vous en prie. Elle n'a pas tout dit, elle ne m'a rien dit finalement. Ah, si, elle a quand même dit quelque chose. Madame, vous avez dit quelque chose de fondamental. Et ce qui démontre bien la structure intellectuelle qui vous anime. Vous êtes sincère. Pas souvent que ça arrive. Je vous remercie.
Je vous remercie du compliment. Mais malgré tout, vous êtes malhonnête. Ah bon? Je vous en prie. Oui. Parce que vous avez dit, monsieur le président, madame a dit que ce sont les hommes qui ont supprimé le service militaire. Madame devrait savoir que le premier ministre, en ce temps-là, c'était une femme, Edith Cresson. OK? Et c'est le premier ministre qui gère et qui mène le gouvernement de la France. Je crois donc que c'est une femme qui a annulé le service militaire. La malhonnêteté vient de vous, hein, monsieur? Mais oui, madame. Très bien. C'est vrai. Parce qu'il y a quand même un président au-dessus. Eh bien, monsieur le président, nous n'allons pas faire aujourd'hui. Non, cours, nous n'allons pas faire les débats cours, de la Constitution. Un cours. Encore une fois, nous n'allons pas faire les débats de la Constitution. Il faut bien savoir que c'est le premier ministre qui gère la France. Et c'est le premier ministre qui a annulé le service militaire. Et c'est madame Edith Cresson. On voit bien la situation actuelle. Tout à fait. Merci, voilà. Madame Rétori. Je vous en prie. Les femmes aujourd'hui, merci monsieur, aujourd'hui, monsieur le président, mènent la France à coup de 49-3. Madame Borne. Premier ministre. Voilà, merci bien. Madame. Merci madame. On se calme peut-être, non? Oui, oui, oui. Ça serait bien. Oui, oui. Bon, j'appelle à la barre monsieur Christian Toussiès. 49-3. Les femmes mènent les hommes. Monsieur Toussiès, allons-y. Monsieur le Président, monsieur le bâtonnier. Oui, papa. Il n'y a pas de bâton. Hein. Qu'est-ce que je peux dire à propos de cette dame? Ben on va le savoir, sans doute. Bon, mais il faut féliciter toutes ces personnes qui ont à charge et qui prennent sur eux-mêmes, qui donnent de tout leur temps, de leur pouvoir, de leurs énergies pour éduquer et élever les enfants qu'on leur confie, pour qu'ils n'aient pas en arrière, pour qu'ils ne soient pas de jeunes voyous de demain. Il faut les féliciter au lieu de les condamner, leur chercher des pour ou est-ce qu'ils n'en ont pas. On voit un peu la situation de la société, comment elle va. Il y a une chanson maintenant qui fait le tour du buzz. L'économie souterraine avec tout ce qui s'ensuit. Mais s'il ne faut pas reprendre nos jeunes, comment seront-ils demain? Il y a la jeunesse mariale, il y a la jeunesse catholique, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais il faut les féliciter, ces gens-là, avec le peu de moyens qu'ils ont, qui donnent d'eux-mêmes. Et nous sommes aussi un peu blasés, quelquefois, parce qu'on attend toujours sur quelqu'un pour faire pour nous, sans vouloir nous impliquer. Bon, il y a d'autres jeunesses qui ont eu lieu dans le temps, la jeunesse socialiste, la jeunesse communiste, et même la jeunesse hitlérienne, et ça obéissait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Félicitons-les. Pas plus que ça. Merci, vous n'avez rien à ajouter, non, monsieur. Non, ça va. D'accord, mais ben, j'appelle... Qu'est-ce qu'il peut dire? Ça va. J'appelle non, à la barre monsieur William Picot. Tu vas laisser parler. Non, tu vas laisser parler un peu plus. Tu l'as vite, vas-y. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur Picot. Monsieur le Procureur. Alors en préambule, je souhaite remercier Madame qui est venue avec toute son équipe de scouts. Parce que c'est déjà, je pense, quelque chose qui témoigne d'une extrême bravoure quand on connaît justement la mauvaise foi du président. Le président, vous avez quelque chose. Vous perdez. C'est peut-être un lapsus révélateur, pardon, du procureur, pardon. Bon. Et de ces raisonnements qui peuvent être parfois fallacieux. Et effectivement, quand on lit le chef d'accusation, on remarque encore une fois la mauvaise foi du président. Toutes mes excuses. Vous craignez d'affronter le procureur, non? Je peux vous aider. Hein. Non, allez, je m'y remets. Donc, allez-y. Effectivement, la mauvaise foi du procureur est encore omniprésente sur le chef d'accusation, puisqu'au début, on a 77 600 jeunes, et puis après, on a 77 800 jeunes. Donc, il y a 200 jeunes qui apparaissent subitement, mais ceci témoigne encore du COU légendaire du procureur, qu'on ne peut pas lui reprocher dès lors qu'on a la sécurité de l'emploi et les 40%.
Alors, je commencerai également par poser une question à M. le procureur en lui demandant est-ce que les enfants qui gravitent autour de lui sont scouts ? Est-ce qu'il a sensibilisé ses neveux, ses nièces, ses petits-enfants à ces pratiques, Monsieur le procureur ? Monsieur le Président, je n'autorise pas le témoin de me donner des ordres. Alors, je vous donne une question. Qu'il poursuit son interrogation, son discours complètement abracadabrant, et je répondrai s'il le faut, si je le juge nécessaire. Ça, le combat est ardu. Allez-y, monsieur Picot. Mais à l'écoute de sa réponse, j'ai déjà très bien compris. Hein, la réponse doit être sûrement non. Il a parlé également des années 60, mais il faut remettre les choses également dans leur contexte, puisque en comparaison donc, des années 60 aux années 2020, le tissu associatif est beaucoup plus riche. Et donc, les enfants sont forcément dispersés dans diverses associations disposant de multiples activités. Il ne faut pas regarder là le fait qu'il n'y ait que 600 enfants. C'est se dire que c'est 600 enfants qu'on a pu sauver. Parce que quoi qu'il arrive, le tissu associatif est essentiel au développement d'un enfant et notamment d'un adolescent. Pour preuve, je n'ai pas fait du scoutisme malheureusement, mais j'étais au Gommier. Et je n'aurais pas été la personne que je suis sans tout ce que ça a pu me rapporter. Hein. Alors, par contre, je vais donner au procureur raison quand il dit que la valeur famille se perd. Effectivement, les familles sont de plus en plus monoparentales, l'éducation des enfants devient une corvée et les familles sont souvent ghettoisées dans des HLM. Donc forcément, on n'a plus l'équilibre qu'apportaient les deux parents au sein d'une famille et le cadre que cela représentait. Il faut se demander également à qui profite le crime, parce que je suppose que les enfants des collègues de M. le procureur, ou même vos enfants, ou les enfants de vos amis, eux encore ont une activité associative, même si ce n'est pas du scoutisme. C'est ça, du golf, l'équitation, de la voile, que de nobles activités. Alors, toujours en parlant de famille, n'oublions pas qu'à ce jour, les personnes qui sont parents à l'heure actuelle, c'est la génération des enfants de Monsieur le procureur. Donc, il faut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur éducation pour perdre cette valeur. Puisque là, manifestement, la valeur scoutisme ne s'est pas transmise. Pardon. Alors enfin, je vais conclure par dire qu'il y a nul doute que si le procureur était scout, il aurait été un personnage bien moins odieux. Je vous remercie. Vous avez une question à poser ? Monsieur le Président, puisque monsieur, comment il s'appelle ? Picot, qui a une mauvaise copie de la situation, n'est-ce pas ? Je vais vous dire, monsieur Picot, eh bien, dans tout son discours, je répète abracadabra, il a dit l'essentiel. Et comme les autres, il est passé à travers de l'intelligence, de son intelligence. Il a dit la chose suivante, si tant est, il est un peu intelligent. Il a dit 600 enfants que l'on a pu sauver. 600 enfants qu'on a pu sauver. 78 000, je ne sais pas combien, etc. On a pu sauver 600 enfants et il est content, on a sauvé 600 enfants dans ce département. C'est extraordinaire. Mais c'est la preuve de la bêtise humaine et plus spécialement de M. Picot. Il reconnaît qu'on a pu sauver 600 enfants. Que deviennent les autres ? Que deviennent les autres, M. Picot ? Mais les autres. La drogue. À pousser des statues de chelchère, etc., à la décadence. Voilà ce que... Votre argumentation est fallacieuse, monsieur le procureur. 600 enfants qu'on a pu sauver. C'est pas beaucoup, hein. Votre argumentation est fallacieuse. C'est même rien du tout. Mais parmi non. Les 600 enfants qu'on a pu sauver. Heureusement qu'il y a deux ici qui ont le courage de venir parler et de parler avec leur cœur, leur foi. Et c'est dommage parce qu'on aurait dû sauver 50 000 enfants. Mais les 77 000 autres, ils font de l'athlétisme, du football, de la voile, du golf, de l'équitation. Statues. Et ils poussent des statues, monsieur. Voilà. Mais non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ah, bien sûr. Dans toutes les vidéos là, vous avez vu des enfants pousser des statues, il n'y avait que des adultes. C'est ça. Et la plupart du temps, c'est des fonctionnaires comme vous-même. C'est ça. Donc, monsieur le procureur, je vous remercie de ne pas faire preuve de mauvaise foi. Je vous remercie. Merci, monsieur Picot. J'appelle là-bas Madame Joby Zéphir.
Voilà, Madame Zéphir. Le scoutisme a été créé par Baden-Powell et on le retrouve dans environ 260 pays. Ici, en Martinique, ils sont un petit groupe. Mais je parlerai de l'impact du scoutisme chez le jeune. C'est une mini-société dans laquelle on y retrouve le respect de la hiérarchie, aînée et responsable. Lors d'un campement, malgré le peu de matériel qu'ils ont, grâce à leur débrouillardise, ils arrivent à respecter la nature. En vivant ensemble, filles et garçons, ces jeunes développent le respect d'autrui. Ils se mesurent à eux-mêmes, tout en développant l'esprit de compétitivité et leur potentialité en fonction de leur âge. Ils développent aussi l'apprentissage de la vie future, sans oublier leur courage. Car dans le cocon familial, ils sont souvent surprotégés par leurs parents. Et dormir la nuit à la belle étoile, malgré les intempéries sous une tente, sans un minimum de bien-être, manque d'eau chaude, d'eau courante, électricité, le feu de bois remplace le gaz. Ce sont des adultes en herbe. Loin de leurs parents, ils découvrent la vie sans contrainte. De papa et de maman, c'est le moment de s'évader moralement. C'est une communauté où les jeunes apprennent à se détacher petit à petit de leurs parents, tout en se constituant une famille de substitution. La rupture sera moins violente psychologiquement au moment où ils devront quitter leur foyer pour raisons familiales, travail, études, mariage. Le jeune scout fait fi de l'origine, de la couleur de la peau et surtout du niveau social de l'autre. En conclusion, je dirais que le scoutisme permet aux jeunes de se construire, de s'épanouir, de se connaître et même à mieux se connaître, en un mot, à se forger. Ils sont soumis à l'apprentissage de la vie, à des valeurs fortes telles que la solidarité, l'humilité, l'entraide, le respect de soi et d'autrui. Permettez-moi de dire à Madame Geste, ici présente, bravo, qu'elle continue ainsi, car nous avons besoin des bénévoles comme vous qui consacrez votre temps et votre énergie à nos jeunes. Merci. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ça va? Fini. Je vous remercie, madame. J'appelle à la barre Madame Jacqueline Lambert. Écoute, les témoins, je voudrais déjà les féliciter, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu, je félicite cette dame, donc l'accusée qui est là, qui fait un travail, d'après ce que j'ai compris, un travail extraordinaire. Parce que, comme je lui ai dit tout à l'heure, la société qui est dehors, là, elle est beaucoup plus forte qu'elle a, ou du moins l'éducation qui est dehors, elle est beaucoup plus forte que l'éducation que les enfants reçoivent à la maison. Et heureusement que cette dame, je crois qu'elle le fait d'une manière bénévole, a récupéré, j'ai entendu parler de 600, je pense qu'il y en a plus, a dû récupérer des jeunes pour pouvoir récupérer aussi ces enfants-là, parce que je pense que c'est des enfants qui avaient besoin d'aide. Et c'est pourquoi j'avais écrit que, à travers le travail de ces personnes-là, ce sont des gens qui apprennent aux enfants à s'exprimer, à échanger, communiquer, savoir observer.
et s'habituer à des situations, les protéger et les encourager. Donc ça demande beaucoup de solidarité, de la générosité, de l'entraide, de la fraternité et permettre aux enfants de retrouver une sérénité. Par contre, je voudrais quand même poser une question à ces gens, comme cette dame, et puis j'oublie le celui qui est au fond là, en fait, qui fait le même travail qu'elle. Quel est le métier en principe de ces gens qui prennent ces enfants en charge? Quel type de métier qu'ils occupent? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine... Il faut être solide et il faut être très généreux et aimer ce que l'on fait. Surtout ça, aimer ce que l'on fait, mais aimer l'autre, aimer son prochain. Donc votre question, c'est... Leur formation, leur métier. Vous voulez lui poser la question maintenant? Je vais prendre la question à elle et puis à l'autre personne qui aussi... Vous voulez répondre, madame? D'accord. Elle va répondre tout à l'heure. Et puis, alors, je disais que moi, quand j'étais plus jeune, je voyais parler, on entendait parler des scouts. Pour moi, les scouts, quand je les voyais avec les tenues, comme vous voyez là, je pensais que j'avais affaire à des militaires. Parce que ce sont des gens qui étaient carrés, qui savaient ce qu'il fallait faire, tout en aimant l'enfant qu'il avait en face, qu'il avait pris en charge. Et donc, c'était des gens qui étaient là, j'ai compris finalement, après avoir écouté, que ce sont là pour développer des qualités morales et sportives de ces gens-là. Alors, je vais leur demander de se faire connaître davantage, parce qu'on a quand même des réseaux sociaux, on a la télé, etc., pour de manière qu'il y ait le maximum d'enfants qui viennent, qu'on récupère, qu'on enlève de la rue, avec tout ce que l'on voit autour de nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, puisque je sais qu'il y a peut-être encore des gens qui doivent parler. Merci. J'avais même préparé un petit texte concernant le scoutisme, mais je vais laisser la place à quelqu'un qui voudrait parler aussi. Merci, Mme Jacqueline Lambert. J'appelle... Pardon? Je n'ai pas... Les aider financièrement. D'accord, très bien. OK, j'appelle à la barre Mme Clara Dunon. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, Monsieur le Président, rappeler à ceux qui suivent l'actualité que le ministère de l'Éducation nationale est en pourparlers en travaux pour faire à nouveau imposer le service militaire en septembre 2024. Oh, très belle initiative. Mais absolument, c'est une très belle chose, on en parlait tout à l'heure. Le service militaire obligatoire, universel obligatoire, ainsi que le scoutisme, etc., ce sont des organisations, des plateformes qui forgent l'identité de l'homme. Et c'est sur ça que j'aimerais insister, comme je l'ai fait d'ailleurs en première audience, c'est sur la nature, le caractère qui est forgé de l'enfant qui devient un homme, de ce jeune garçon qui deviendra un homme plus tard, un homme responsable, et aussi de cette jeune femme qui deviendra une femme. Alors, en lisant un petit peu à droite, à gauche, en écoutant tout ce qui a été dit, j'ai noté des petites choses qui sont intéressantes, ce que j'apprends, hein, puisque le scoutisme, j'avoue que je n'en connaissais pas grand-chose, par rapport simplement au fait que la base même du scoutisme est basée sur la religion catholique, d'après ce que même si, quand bien même vous êtes, n'est-ce pas, Madame Gess, c'est bien ça, ouvert à toutes les religions, me semble-t-il, mais ça reste quand même une plateforme religieuse et basée sur le catholicisme, ce qui n'est pas ma foi première. Maintenant, Monsieur le Président, il y a quelque chose de fédérateur qui est important, c'est donc les notions entendues, la solidarité, le débrouillardisme, et puis ces petites choses comme faire de bonnes actions. Alors, c'est bien parce qu'on parle de grandes choses qu'ils font, etc., mais ces petites actions-là, apprendre aux enfants à cuisiner, c'est bien. Demain, celui ou celle qui apprend à cuisiner, dont les parents n'ont pas le temps, parce que contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai entendu dire que ceux qui sont dans les scouts sont issus de familles à très peu de moralité. Excusez-moi de revenir dessus, mais j'ai été scandalisée, le mot est faible, d'entendre une telle chose. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que des enfants, et j'espère que Mme Gest confirmera ce que je dis à l'instant, il n'y a pas que des enfants issus de familles à faible ou à petite ou à
moralité absente. Il y a un peu de tout, peut-être moins d'enfants provenant de catégories socio-professionnelles plus, de ce type de famille, mais il y a un petit peu, heureusement, et d'après ce que j'ai lu, un petit peu de tout. Donc les enfants qui sont là apprennent à cuisiner, apprennent à faire du feu dans les bois. Sait-on jamais, on sait jamais, Monsieur le Président, on peut se retrouver dans une situation en partant en vacances ou ailleurs en tant que parent, et puis se retrouver, il faut pouvoir faire, comme ça a été dit, jouer au MacGyver. On a parlé de MacGyver tout à l'heure. Oui, ce sont des petites choses qui sont importantes. Il ne faut pas minimiser ces choses. Alors, j'ai lu sur Le Parisien, je lisais un article dessus, il y a 200 000 scouts en tout sur le territoire national. J'espère parler et dire vrai. Et que les personnes qui sont présentes ici, qui représentent l'association, le confirmeront. Je trouve que quand même c'est un chiffre honorable, un chiffre très important, et on ne peut pas avoir les 38 000 à peu près personnes qui sont en Martinique, 380 000 pardon, personnes qui sont en Martinique, les avoir tous au scoutisme, c'est pas possible. Donc l'idée c'est quoi? C'est surtout quand j'entends Monsieur le procureur jeter l'anathème sur les personnes, les jeunes qui ont poussé des statues, pour reprendre son expression, on ne pousse pas des statues, on a abattu des statuts. Je ne sais pas le jeu de mots qu'il y a là-dedans et ce que ça veut dire, mais ces personnes-là aussi ont des valeurs qui ne sont peut-être pas les siennes, mais on doit pouvoir, et c'est ça aussi l'idée d'accepter l'autre, et qu'il y a que véhicule les scouts, j'imagine, hein, c'est de pouvoir comprendre qu'on évolue dans une société, et il y a ce petit groupuscule de personnes qui se sont assemblées, qui ont dit, bon ben voilà, on va transmettre telle ou telle valeur. On adhère ou on n'adhère pas, mais si on adhère, on apprend des choses intéressantes, on prend confiance en soi, on se construit une identité, et puis on n'est pas si ringard, c'est pas un mouvement si obsolète que ça, puisque les jeunes ont parlé en première audience, n'est-ce pas, d'être, ils sont connectés, ils sont là, ils ont, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne les ai pas vus, je n'ai pas pu en parler avec eux, mais à cet âge-là, on a encore des belles choses à vivre, on a encore des choses à entendre, on est en pleine formation, et à son tour après, on devient des formateurs. C'est le cas de Mme Geste, d'après son témoignage. Et ça, c'est formidable. Oui, il faut qu'il y en ait, et on les encourage. Merci, M. le Président. Merci, Mme Clara Dunon. J'appelle à la barre Messieurs Lionel Veilleur et Christophe Veilleur. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, procureur. Alors, tout d'abord, je voudrais justement revenir sur ce que le procureur a dit. C'est très contradictoire. Quand on dit que les autres personnes, les jeunes vont déboulonner des statuts, franchement, c'est qu'il y a une raison, il y a une cause. La plupart du temps, ce sont des étudiants qui disent justement que oui, c'est par beaucoup de colonialisme, etc. Non. Après, je ne sais pas si vous avez peut-être l'âme d'Ayot. Ça, c'est vous. Mais moi, personnellement, bon, je ne suis pas pour ce genre de choses-là. Mais après, il y a toute une histoire de dire que bon, ce sont des jeunes qui ne foutent rien et vont déboulonner des statues. Là, non, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit là, c'est contradictoire. Et au moment où vous dites aussi, oui, les femmes. Non, je ne comprends pas. Moi, franchement, je serai votre femme. Je me serais inquiété pour vous et pour vos enfants. Parce que, non, mais c'est grave, hein. C'est grave. On ne se rend pas compte, mais c'est grave, hein. Ah oui, c'est grave. Vous seriez ma femme. Ah oui, oui. Vous seriez ma femme. Ah oui, je serais votre femme, mais je me serais posé des questions. Il serait ma femme. Non, je n'envisage pas d'aller sous ce tigre-là. Oui, oui. Mais voilà. Après, merci personnellement, vu que vos enfants ne font pas de scoutisme, ça ne m'étonne pas que, comme vous dites, ils aient déboulonné des statues. Après, chacun son point de vue, quoi. Donc, ouais, moi, je voulais aussi dire que je suis quand même perdu. Parce que je me retrouve dans un débat où on me parle de trouver des solutions pour ma génération, alors que j'entends quand même le procureur me comparer à celle des années 1900, voire même 1800, des esclaves noirs en liberté. Or, moi, ça fait partie de mon histoire, mais je ne suis pas dans cette époque. Il y a des réalités de cette époque qui ne sont pas les mêmes dans la nôtre. De plus, c'est sûr qu'avant, si les femmes étaient plus considérées comme des personne devant s'occuper d'enfants à la maison, etc. C'est sûr que tu avais plus de temps d'initier leur enfant au scoutisme, etc. Maintenant, il y a plein d'opportunités qui se sont ouvertes. Il y a des femmes qui travaillent plus que des hommes. C'est tout à fait normal que certains parents, du moins, ne puissent pas
à 100% accompagner leurs enfants. D'ailleurs, je trouve aussi que c'est un petit peu trop quand ça vous arrange que les enfants peuvent prendre des décisions du moins tout seuls. Parce que par exemple, là, un enfant peut se dire, c'est vrai, ma mère est occupée. Tiens, pourquoi je n'irais pas faire quelque chose de bien? Pourquoi je n'irais pas faire quelque chose qui va dans son sens, qui va dans le sens de la famille? Pourquoi l'enfant pourrait qu'aller déboulonner des statues? Certes, si c'est votre cas de vie, moi ce n'est pas le mien. Personnellement, mon frère et moi n'allons pas déboulonner des statues. Et c'est pas pour autant que voilà, certes nous sommes scouts, mais je regarde que nous avons plein de camarades qui ne le sont pas et qui sont des bonnes personnes. Voilà, pour moi ce propos-là n'a pas lieu d'être. De plus, je trouve que le procureur se sert un petit peu trop du fait que certaines personnes n'ont pas toute l'actualité en tête. Parce qu'il a parlé du service militaire. Le service militaire n'a pas été enlevé du moins par le Premier ministre. Il a été enlevé par Jacques Chirac en 96. Donc déjà là, on a un élément qui me permet du coup de douter sur le plaidoyer de monsieur le procureur, qui fait que du coup je me demande, s'il vous plaît, la salle, qui fait que je me demande, est-ce que en réalité il veut trouver une solution pour nous, ou est-ce qu'il ne se réjouit pas un peu de notre sort? Parce que c'est vrai de se demander, oui, quel est le problème? Mais avant de vouloir mettre la faute sur les gens, il faudrait mettre la faute sur nous. S'il vous plaît, dans la salle, monsieur Toussiès. Comme j'ai dit à monsieur le procureur, là, nous sommes en train de passer sur KMT. Moi, je suis très content et je défends quand même le scoutisme. Si lui le défendait aussi, peut-être que les gens auraient pu se dire, eh bien, tiens, peut-être que c'est vrai que le scoutisme, c'est pas que être là et puis c'est pas... Que, comme certaines personnes ont dit, ringard quoi. Parce qu'il faut se dire ça aussi, que le scoutisme ne nous empêche pas de vivre. Moi demain je suis scout, je vais pas aller dans mon carnaval faire mes affaires. Certes, j'ai une éducation, il y a des limites aussi, je vais pas faire n'importe quoi. Mais cependant, je suis quand même libre de faire ce que j'ai envie de faire. Depuis que ça n'empêche pas d'autres personnes de vivre, eh bien, si c'est le plus important. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter, c'est bon? Merci. J'appelle à la barre monsieur Hierso Alain. Ça défile. Hein? Monsieur le président, monsieur Hierso, monsieur le procureur, on a déjà dit tellement de choses. S'il vous plaît, monsieur. Et surtout des choses au profit du scoutisme. Alors, quoi ajouter? Seulement corriger deux ou trois petites choses. Le scoutisme, oui, je répète, il y a des obédiences religieuses, catholiques, il y a des scouts israélites, il y a des scouts musulmans et il y a des scouts laïcs. Les éclaireurs de France, en principe, ils ont fusionné avec un autre groupe. C'était les éclaireurs neutres, ils ont formé les éclaireurs, c'est tout. Donc, voilà. Alors, je vais quand même revenir sur le côté militaire. Il n'y a pas de formation militaire dans le scoutisme. Il y a certes une hiérarchie. Il y a les patrouilles, il y a les chefs de patrouille, les chefs de troupe qui regroupent plusieurs patrouilles, et ça monte jusqu'au commissaire, le grand responsable de l'association. Donc, vous avez une hiérarchie. On a des signes. Les éclaireurs ont leur symbole, les guides, les scouts ont fusionné avec les guides, ça fait pas très longtemps. Ils ont formé une seule association. Donc, il y a des fusions qui se font. Voilà. Alors, quoi dire encore? École, une école de responsabilité, je répète, d'engagement, on apprend à devenir une femme, un homme, à respecter l'autre, à respecter la femme. Et je pense que dans le foyer, par la suite, il y a quand même un partage des tâches, parce qu'on apprend aussi le partage des tâches. Il n'y a pas un travail de femme et un travail d'homme. On fait tout. Et quand on a compris ça, eh bien, on peut s'occuper du bébé. Ce n'est pas le travail de la femme, c'est le travail des parents. On peut s'occuper du bébé, on apprend ça, je ne dis pas quoi, mais ce sont des choses qui viennent après. On a appris autre chose à la base, et puis quand on devient adulte, on met ça en pratique encore, comme je vous ai expliqué, je mets en pratique tout ça. Ça devient inhérent. Vous savez, injurier quelqu'un, ça arrive, ça sort comme ça, mais après vous êtes en face de la personne, vous n'allez pas l'injurier comme ça de sang-froid. Parce que vous avez une éducation
et vous avez aussi une éducation de respect de l'autre, des lois scouts, qui, je répète, on retrouve les mêmes choses. L'engagement, on n'a qu'une parole. Quand on a donné sa parole, on tient sa parole. On est loyal, on est loyal, on est respectueux et on est propre, propre dans son corps, on est propre dans sa pensée, dans ses actions. Voilà le scoutisme, les valeurs du scoutisme. Alors qu'il soit 600, je pense que c'est la qualité peut-être. Merci, monsieur Yersou Alain. J'appelle d'abord monsieur Philippe Lesdéba. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, alors cet après-midi, je ne souhaitais pas tellement prendre la parole, mais puisque vous m'y invitez, j'accepte avec plaisir. Vous l'avez demandé. Avec plaisir, oui, mais c'est la première fois. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ce n'était même pas la peine que je prenne la parole. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la première fois que je vois dans une audience que quasiment tous les témoins, la totalité des témoins ont témoigné à décharge, c'est-à-dire que on reconnu, mis à part le procureur qui défend l'intérêt de la société, à l'unanimité, tout le monde a reconnu que cette dame faisait un travail extraordinaire. Alors, c'est très facile, on pourrait tomber dans la facilité et dire oui, effectivement, il n'y a pas suffisamment de communication, donc on peut condamner ces personnes de ne pas être suffisamment médiatisées. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, il n'y a pas d'aspect commercial, il n'y a pas d'aspect financier. Donc l'objectif de ces gens, effectivement, comme on l'a entendu cet après-midi, c'est de promouvoir la solidarité, le partage des valeurs. Alors, le procureur qui défend l'intérêt de la société devrait inciter les médias justement à médiatiser le scoutisme. Parce que je vous rappelle, Monsieur le Président, qu'un peu partout sur les médias privés, nous avons tout un certain nombre de personnes qui, tous les dimanches, tous les week-ends et même en semaine, nous vendent du rêve, nous proposent, comment dirais-je, d'avoir une vie meilleure. Et pourquoi pas ces gens qui font du scoutisme? Par conséquent, je crois que l'issue de cette audience sera claire et facile. J'ai entendu effectivement un témoin dire qu'on a supprimé le service militaire. On sait combien, quelles sont les conséquences de la suppression du service militaire, puisqu'on a tous ces jeunes maintenant qui sont désœuvrés, on ne reviendra pas dessus. Alors, je sais tout à l'heure que j'entendrai qu'on fera un peu... Enfin, on va raconter encore n'importe quoi aux jeunes. Qui vient devant le peuple avec un programme pour pouvoir dire, voilà, on va améliorer votre quotidien? Ce n'est pas le Premier ministre, Monsieur le Président. C'est bien le Président de la République. Et ensuite, le Premier ministre... Exécute. Nous sommes d'accord. Alors là, je vais entendre que l'on va dire aux jeunes, écoutez, c'est le Premier ministre. Nous sommes d'accord. Donc, je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai entendu des jeunes dire que c'est Jacques Chirac, effectivement, qui a supprimé le service militaire. Et c'est depuis 2006, ça fait déjà plus de 17 ans, que M. Sarkozy a encouragé le travailler plus pour gagner moins. Nous sommes d'accord? Donc finalement, nous sommes dans une société où on va de plus en plus vite, où effectivement les femmes sont obligées de travailler parce qu'elles sont seules. Enfin, je pense que l'assistance est suffisamment éclairée et je suis ravi de tout ce que j'ai entendu cet après-midi. Donc tout ce que je dirais à Mme Geste, c'est de continuer à faire de bons gestes. Voilà. Merci Monsieur Philippe Lesdéma. Fini, c'est moi. Je donne la parole à monsieur procureur. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Monsieur le président, je crois que finalement, monsieur Lesdéma a dit que toutes les personnes, les témoins, étaient en faveur de l'accusé. Mais oui, c'est vrai. Tous les témoins sont allés dans le sens de la démagogie de l'accusé. C'est tout à fait normal. Et M. Lesdéma, le premier chef. Madame, comment s'appelle-t-elle? Madame Zéphir n'a pas été dans le sens de l'accusé. Madame Zéphir a objectivement posé un certain nombre de problèmes, a dit un certain nombre de choses.
Mais toutes les autres personnes sont allées dans le sens, ont reconnu que l'efficacité du mouvement scout, c'est ça, du mouvement scout, n'est pas du tout à la hauteur de ce que la société pouvait espérer. C'est ça. C'est pas Madame Gest qui est responsable du mouvement scout, c'est pas elle. Ce n'est qu'une partie, une personne parmi tout ce mouvement-là. Et c'est le mouvement qui est en cause. Bien sûr, il y a quelqu'un qui représente le mouvement à Fort de France, elle est accusée, mais ce n'est pas la dame. La dame n'en a absolument rien à voir. Et que lorsque M. Picot dit que, heureusement, ces gens-là ont pu sauver 600 personnes, 600 jeunes, mais c'est vrai, c'est évident qu'il donne raison à l'accusation. Monsieur Picot, qui a une mauvaise copie, donne raison à l'accusation, puisqu'il considère, après ses études, après ses observations, et c'est un homme intelligent, il dit, on n'a pu sauver que 600 jeunes. Combien on aurait pu sauver? Combien on n'a pas sauvé? C'est ça le problème de fond. Et c'est ça le drame. Et donc, monsieur Lesdemain a parfaitement raison. Et je l'avais dit au début de cette audience, que toutes ces personnes-là n'ont pas l'esprit, n'ont pas l'idée, n'ont pas l'objectivité, ne sont pas guidées par l'objectivité, ne sont pas guidées par une situation réelle de la Martinique où c'est la décadence. C'est ça le véritable. Et si on ne va pas dans le sens de la critique objective, on ne va jamais avancer. On va se satisfaire de 600 jeunes sauvés. Monsieur Picot, vous êtes content? 600 jeunes sauvés sur 77 000 jeunes martiniquais. Et regardez la société martiniquaise. Regardez la société martiniquaise, comment elle avance, comment elle avance, dans quelle décadence on est. Il faut prendre ça sérieusement. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Madame, je n'ose même plus, je ne connais même plus son nom, je me souviens même plus. Madame Dunon, qui dit, sur 380 000 habitants de ce pays, 600 000. Et que sur la France, d'une manière générale, il y a 300 000, 200 000, je ne sais pas quoi, etc. Mais Madame Dunon, sur 380 000 personnes, habitants, on aurait dû avoir au moins 20% des jeunes poussés par le mouvement de la solidarité, de la générosité. Et c'est ça le véritable problème, 600, c'est Picardy, Madame Dunon, il faut arrêter. Alors Madame, oui, je ne sais pas, cette dame charmante là, avec des lunettes modernes. Oui Madame, voulant critiquer les hommes, abattre les hommes, oui, le service militaire a été abandonné par les hommes. Mais oui, jeune homme, c'est sur la mandature, je veux dire Chirac, mais je te conseille de dire aux personnes qui dirigent le scoutisme de te donner quelques leçons de droit. Parce que le président de la République, je le répète, et c'est marqué noir sur blanc dans la Constitution, ce n'est pas le président de la République qui gère les affaires de la France, c'est le Premier ministre. Bien. Alors que le Premier ministre soit du même bord que le président, etc., etc., je veux bien. Mais c'est le Premier ministre qui gère les affaires de la France. Ce n'est pas le président de la République. Bien. Alors, si le président de la République peut avoir des idées, mais si le Premier ministre ne veut pas aller dans le sens du président de la République, il n'y va pas. La preuve, c'est que pendant la cohabitation, il y a Edith Cresson, il y a eu Jacques Chirac avec Mitterrand, il y a eu je ne sais quoi comme cohabitation, et par exemple, monsieur Mitterrand, qui était président de la République, n'a pas pu foutre dehors monsieur Chirac, parce que c'est monsieur Chirac qui était Premier ministre, et c'est monsieur Chirac qui menait la politique de la France. Alors il faut arrêter. Ça, il faut comprendre ça, il faut savoir comment les choses se passent. Bien. Et puis je dirais, vous terminez presque. Madame,
La France est dirigée par des lois qu'on en appelle la Constitution. Madame, le Premier ministre de la France depuis 18 mois ou un an à peu près, c'est une dame. C'est une dame. Une dame qui démontre à tout le monde, dis-moi, qui démontre à tout le monde qu'elle n'a rien à foutre de la démocratie, que c'est le 49-3 qui fonctionne. Ce qu'elle décide, madame la Première ministre, ce qu'elle décide, c'est ce qui va. Et ce n'est pas le président de la République, en l'occurrence M. Macron, qui fait jouer le 49-3, c'est le Premier ministre qui met son gouvernement en jeu. C'est le Premier ministre qui décide, le Conseil des ministres donne autorisation au Premier ministre de mettre en jeu le gouvernement en appliquant le 49-3. C'est ça la réalité, tu peux secouer la tête comme tu veux, c'est ça la réalité, et je t'invite à demander à tes responsables, et après l'audience si tu veux, je te donnerai tous les éléments qui te permettra d'avoir une juste idée de la réalité, mais c'est pas ce qu'on raconte dans les histoires, dans le machin à droite à gauche, c'est le Premier ministre qui gère la France. Et bien terminé, Monsieur le Président, en disant ceci, le procureur n'a pas demandé que les médias fassent la propagande pour les scouts ou autre machin, etc. Il appartient à chaque association, à chaque de mener leur politique, d'entrer dans les médias, de discuter, de faire, etc., de dire, etc. C'est vrai que personnellement, la première fois que j'ai entendu parler des scouts à la Martinique, c'était ce jour-là, c'est tout. OK. Alors qu'il y a 50 ans, dans chaque commune, il y avait des scouts, il y avait une organisation de scouts, et il y avait, dans toutes les fêtes, etc., il y avait les scouts à droite et à gauche, on les voyait, etc. Si on ne les voit plus, c'est parce, pourquoi on ne les voit plus? Parce que les parents, et c'est là que je dis que certaines personnes ont eu raison de mettre en cause la responsabilité des parents, parce que ce sont les parents qui mènent la danse, qui devraient mener la danse, et en l'occurrence, les mères qui sont à la base de l'éducation des enfants. Alors les pères, bien sûr, lorsqu'on ne met pas les pères dehors, lorsqu'on ne fait pas des enfants pour de l'argent, lorsque, vous pouvez rire, les femmes qui sont là le savent très bien, beaucoup de jeunes femmes, dans les années 70-80, ont fait de l'argent pour avoir la location la location de femmes seules. Et les enfants n'étaient pas du tout éduqués, les enfants étaient jetés dans les escaliers des HLM, et les parents, les mères, je m'excuse, c'est plutôt au Terre Saint-Ville qu'on le retrouvait. Merci, Monsieur le Président. Donc je demande que Madame soit condamnée, non pas en tant que telle, mais en tant que responsable de mouvement qui aurait dû véritablement créer un mouvement de solidarité. C'est bien ça, hein? Un mouvement de solidarité, un mouvement prospère qui permette à nos jeunes Martiniquais d'avoir une structure d'hommes et de femmes de demain. J'en ai terminé. Merci, monsieur. Accusé, venez de là-bas. Je ne souhaite même pas me défendre en tant que femme. Je voudrais, c'est la conclusion, c'est ça? Oui, allez. Je voudrais que mon camarade m'accompagne pour terminer ensemble. Absolument. Donc, je m'apprête à l'appeler. C'est parfait. Oui. Je voudrais aussi, nous sommes deux responsables vice-présidents. Nous sommes deux petits maillons du guidisme, du scoutisme et du guidisme, scout et guide de France, avec à notre tête en Martinique, M. Patrick Henriette. Je profite de l'antenne pour féliciter et encourager nos jeunes chefs et cheftaines qui sont là, parce que ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai que les jeunes sont happés, sont sollicités par beaucoup de choses, et qu'il faut avoir du courage pour les encadrer aujourd'hui, parce que nous sommes dans une évolution de la société qui ne nous incombe pas à nous. Mais bien au contraire, nous gardons notre bâton de pèlerin pour aider les jeunes à avancer, les aider à grandir. Alors, je voudrais rajouter et corriger... Rapprochez-vous du micro. C'est vrai. Je voudrais surtout corriger les erreurs faites par M. le procureur.
qui traite tout le monde de démagogue, mais qui fait preuve d'énormément de mauvaise foi. Malheureusement pour lui, alors il y a une question qui a été posée en termes de métier, je suis éducateur, et en termes de formation, juriste. J'ai une licence en droit, donc je vais corriger quelques éléments qu'il a annoncés. Certes, le Premier ministre est responsable de la politique, mais en termes... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas s'il interrompu. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Allez-y, allez-y. Ce qui se passe en termes de... S'il quand il y a cohabitation, le Premier ministre est maître de ses mouvements. Quand il est du même bord que la majorité du présidentiel, il est totalement soumis au président. Ça, il faut être réaliste. Et d'autre part, les lois ne sont à part... En utilisant le 49.3, ne sont pas faites ni par le président ni le Premier ministre, mais c'est l'Assemblée nationale qui vote les propositions de loi et les projets de loi, tout simplement. Donc il faut remettre les choses à leur place. Ça, c'est une première chose. Je poursuis sur quelques éléments que vous avez totalement occultés ou volontairement erronés. Donc, chez nous, déjà, nous avons une majorité de femmes à l'encadrement. En termes de jeunes, c'est plutôt équilibré, même s'il y a un peu plus de garçons, mais au niveau de l'encadrement, majoritairement des femmes. D'autre part, certes, vous avez raison, ce sont les parents et pas les mamans, mais je dis bien les parents. Je suis moi-même parent et mes enfants sont inscrits. Je les ai inscrits. D'accord ? Donc, ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants, mais ce sont les enfants qui choisissent d'y rester. Le scoutisme est ouvert à tous, mais c'est une proposition et en aucune façon, ce n'est une obligation d'y rester. C'est-à-dire que le jeune vient, il découvre un fonctionnement, un mouvement, et il adhère à des valeurs. Et à ce moment-là, décide ou pas de faire sa promesse et de faire son engagement pour y rester et de vivre ce que le scoutisme lui propose. Donc, construire sa personnalité, vivre ensemble, éduquer des garçons et des filles et habiter autrement la planète. Voici notre projet éducatif. Donc il faut bien se renseigner sur qui nous sommes avant d'envoyer des propos à tout va. Dernier point, je dirais que le mouvement a été créé par un militaire. Donc justement, quand on parle de service militaire, il y a des bases militaires dans l'organisation du mouvement. Mais il ne faut pas oublier qu'en France... Ce sont des religieux qui ont transféré ce mouvement à l'origine créé en Angleterre et donc l'ont apporté en France. Donc voilà un petit peu l'origine de notre lien avec l'Église. Les choses sont claires à ce niveau. Et pour finir, moi je vais citer deux personnes. Donc tout d'abord notre fondateur, Lord Robert Baden-Powell. Il nous a dit d'essayer de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était que quand nous y sommes venus. Et je mets cela en lien avec ce qu'a dit un enseignant. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant, la majorité des animateurs étaient des enseignants. Et donc, les évolutions de la société ont fait que les choses ont bougé énormément. Donc maintenant, on retrouve des médecins, on retrouve des infirmiers, des comptables, il y a un peu de tout dans le tissu de la société, à l'encadrement des jeunes, et c'est tant mieux. Et la personne que je vais citer en deuxième, c'est Vincent Placoli, qui a dit que le devoir des générations qui s'en vont, c'est de préparer celles qui arrivent. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de faire au mieux. Nous n'avons peut-être sauvé, comme vous dites, que 600 jeunes, mais on n'est pas les seuls à travailler à cela. Et si on sauve chaque association en Martinique qui œuvre pour la jeunesse sauve 600 jeunes par an, on a gagné la partie. Il faut que nous continuions ainsi. Voilà. Merci. Avez-vous quelque chose, un mot à ajouter, non ? Nous vous remercions pour cette opportunité. Nous vous remercions pour cette opportunité. Et je ne peux que conclure dans le sillage de mon ami. Nous sommes un mouvement engagé. Nous aidons les jeunes. C'est vrai que c'est compliqué, mais on y va. Avec la foi, avec l'espoir d'un monde meilleur, puisque c'est dans notre loi, il est inscrit que nous sommes des artisans de paix qui vivent en harmonie avec la nature. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer à nos jeunes au mieux. La Cour se retire avec les jurés afin de décider du verdict.
Merci. L'audience est suspendue. Mesdames, Messieurs les jurés, merci d'avoir répondu à notre invitation concernant le procès de Mme Jess, Mme Jess Valérie. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à cette décision, à ce jury, nous allons un peu parler du vécu de ce procès, donc sans refaire le procès. Donc, on fera un tour de table et nous passerons au vote à main levée. D'accord ? Monsieur Toussiès, vous avez la parole. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut honorer et féliciter les gens qui ont ce dur métier, c'est d'éduquer et de prendre en main et en charge nos enfants, ceux qui sont peu déshérités, et à essayer d'en faire des hommes et des femmes pour demain, afin d'éviter toutes les dérives qu'il y a dans notre société. Cette dame, elle n'est pas condamnable. Elle essaie de faire ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'elle a, parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas l'approbation de l'État. Donc, c'est avec des subventions qu'ils subsistent, tant bien que mal. Et quelquefois, ils réussissent. Je ne sais pas le pourcentage de réussite, mais ça tient le coup. Donc, il faut les aider à travers toutes les sociétés qu'il y a, qui s'occupent de la jeunesse, jeunesse mariale, secours catholique, tout ce qui s'ensuit. Ce sont des bénévolats. Ils ont à cœur de sauver notre jeunesse, ni plus ni moins. Monsieur Gabil. Ok. Alors, cette femme, je trouve qu'elle a du courage. Elle a fait une bonne chose, une action déjà d'être là, de se présenter. Et ce qui m'inspire et qui m'interpelle surtout, la société en a besoin beaucoup plus de scouts de cette association qui est de part et d'autre, hein, puisque c'est un mouvement catholique, mais il y a aussi dans d'autres congrégations d'associations qui existent, des scouts qui ne portent pas le nom de scouts, mais qui ont les mêmes rôles. Et je pense que pourquoi que la société en a vraiment besoin, parce que les jeunes sont livrés à eux-mêmes trop, parce que je vais jouer sous les mots, je scoute, mais il y a des scooters de mer, scooters de place à deux roues, et souvent on les trouve sous la route, en train de rouler sur une seule roue, alors qu'ils mettent en danger les autres, qu'ils mettent en danger eux-mêmes, et du coup que le scout, c'est des choses qui étaient, c'est une association qui permettait à des jeunes à pouvoir s'encadrer et de ne pas se découdre et d'aller à faire des choses qui ne servent absolument à rien et qui le mènent aussi à leur perte et aux pertes des autres. Et je pense que c'est une très très bonne action et elle n'est pas condamnable. Et plus de scouts parce qu'il y en a beaucoup à faire, même déjà sur la Martinique, même à ramasser les sargasses, il y a beaucoup plus de personnes pour pouvoir les ramasser aussi. Et puis dans tout ce qui, c'est ce qui fait partie de la nature. Merci. Madame Barreau. Madame Jess a beaucoup de courage et surtout de patience pour s'occuper de tout ça d'enfants, quel que soit leur âge. Donc, elle a pris sur elle, même si elle n'est pas seule, elle a une équipe qui l'accompagne. Mais pour faire ça, je trouve qu'il faut vraiment, vraiment de la patience et du courage. Parce que moi, dans mon enfance, je n'ai pas connu le scout. Le scout, c'était, je ne pense pas que ça existait déjà. Mais si ça existait à mon époque, je pense que j'aurais été là. Et l'éducation qu'on donne et tout ce qui s'ensuit pour dire allumer des feux, de bois, un tas de choses que des enfants avant connaissaient, mais comme qu'ils connaissent pas maintenant. Parce que tout se fait, c'est tout de suite, tout de suite. Donc, alors, je pense qu'elle a beaucoup de courage, bien que avec toute son équipe. Et puis, il faut qu'elle ne lâche pas du tout, parce que je sais, c'est pas facile. Et bien qu'elle survit avec...
la petite monnaie qu'on leur donne, là, bon, je ne sais pas combien. Mais quand même, je pense qu'avec l'aide des autres, parce qu'il y aura d'autres jeunes qui vont venir l'aider à prendre, parce qu'un jour, elle va arrêter, d'autres vont prendre la place. Donc, j'espère que les autres vont continuer et je ne voudrais pas que ce qu'on appelle le scoop s'arrête un jour parce qu'il y aura un problème quelconque. Parce que depuis petite, j'entends parler de scout. Je pensais que ça existait uniquement en France. Maintenant, je suis sûre que ça existe en Martinique et je suis fière et de Mme Jess et de toutes les autres qui continuent à s'occuper des enfants pour leur donner le bon exemple et suivre le droit chemin qu'ils doivent faire pour dans la vie, pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes responsables et aimants tout le monde. Voilà. Monsieur Picot. Alors encore une fois, je salue l'initiative de Madame Geste de venir parmi nous se présenter à la barre et plus largement de son action bénévole, puisque c'est une valeur qui se perd. On fait de moins en moins de dons de notre temps et pour des causes justes. Et encore plus quand il s'agit de façonner les générations futures, puisque c'est un travail, on va dire, de longue haleine, puisque en faisant ça, elle crée de futurs individus qui pourront eux-mêmes apporter leur pierre à l'édifice et parfois même donner lieu à d'illustres personnages. Donc c'est un travail qui est plus qu'honorable et je pense que c'est indéniable qu'elle soit graciée, quoi. Tout ce que j'avais à dire. Madame. Alors, Madame Geste a le mérite et le courage de porter des valeurs d'humanité, de partage. Et tout au long de cette audience, on a bien vu que nous sommes dans une société malade. Et on a besoin des personnes comme Madame Geste pour accompagner nos jeunes, pour accompagner nos enfants, pour porter les valeurs qui construisent un homme avec un grand H, qui donne de son temps, parce que des cotisations, ben, ça fait pas tout dans une association. On fait miroiter à nos enfants aujourd'hui du rêve. On leur vend du rêve, de l'or, tout ce qui brille, alors que les choses qui construisent quelqu'un sont bien portés par les valeurs du scoutisme. Donc je crois que vraiment à ce titre, cette dame doit encore continuer à porter ces valeurs-là. Et on doit l'accompagner. Je crois qu'en plus, on devrait se mettre bénévole. C'est ça. Je dirais qu'au moment où la cellule familiale s'en va, heureusement qu'il y a des femmes debout, des hommes debout comme Madame Geste, pour faire valoir justement ce que c'est que la vie de famille, mais aussi la vie associative, parce qu'elle est, d'après ce que j'ai cru comprendre, attachée au scout depuis quelques années. Et le scout ne date pas d'aujourd'hui, mais des années 60. Donc tout ce petit monde-là, qui se donne sans compter pour le devenir de la Martinique, mais pour le devenir de nos jeunes, doivent être encouragés. Il faut les aider. Mais c'est ce que j'ai toujours déploré. On ne fait pas suffisamment d'efforts pour aider la jeunesse, pour encourager la jeunesse et faire de telle sorte que tous ceux et toutes celles qui se donnent sans relâche pour le devenir de la Martinique, pour le bien-être des Martiniquais, eh bien tout ce petit monde devait être encouragé davantage. Voilà le message que je voulais transmettre et dire que je ne reconnais aucun motif de condamnation à l'égard de Madame Geste, parce que je crois que bien d'autres auraient souhaité aimer être à sa place et ils ne le font pas. J'en ai fini. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose très brièvement? Nous devons tous être des scouts aussi, puisque nous sommes tous des parents, des enfants à la maison, puisque l'exemple commence à la maison, et pouvoir aussi prendre conscience de tout cela afin de véhiculer, de former les enfants, etc. Voilà. Okay. C'est bon pour tout le monde. Donc nous allons passer au vote à main levée. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui condamnent? Quels sont ceux qui acquittent? Acquitté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs.